Alors, bienvenue sur la chaîne. Bonjour Plumfo, c'est Olive, tu es en forme? J'ai gagné contre Magica. Et c'est tout, rien de neuf. T'es sérieux? Petite Magica? C'est incroyable les appels. Alors, bienvenue sur la chaîne Plumfo. Elle est cool, ta bicyclette. Le Noob Monkey veut affronter les Noob Moutards ici. Parce que c'est du. Alors, regardez-les, et après ça, ils sont pas si puissants. Oh non, regarde, c'est trop facile. Ah bon, bah ouais, j'ai une petite plus zone 73 maintenant. Et aujourd'hui, il devrait. 74, oh non, j'ai pas de 6 meufs. 74, et je suis très sûr qu'il est qu'il va apprendre la dernière attaque. Et je suis très. Ah, ça va remplacer. Et toi, t'es encore plus cool. Quoi? Ça va remplacer. Qu'est-ce que c'est? Éruption. J'essaie d'y assurer, mais c'est trop la honte de cela. De cela jouer et se faire battre. C'est pas mon problème. Le tuning, ça coûte un max. Tu me prêtes de la thune? Ça coûte un max? Oh, mais non. Pourquoi tu fais ça, mon Tadrichi? Encore un magma. Toujours un magma. Alors, peut-être aujourd'hui, j'affronterai la reine du par. Oh non, c'est la repos, oui. C'était Erika avec les Pokémon Feuille, alors ça va être, ça serait très facile. Oh non, pas à toi. Oh non, non, c'est maintenant, c'est. Ah, shit. C'est vite. Ah ah. Bouclier. Oh, mais non. Ok, on va faire. Je retourne vers. Là-bas. Ah, raté. Oui. Complètement tracté, alors toi. En fait, c'était pour améliorer ma bicyclette. Bah ouais, c'est quoi comme ça? Voilà. Eh, c'est tout? Ok, pas de dresseur, le gars. C'est vraiment ça, alors. Ok, maintenant, attendez, c'est toi, oui. Qui est raté? J'ai raté. Alors, et toi, t'es de Johto? Oui, c'est ça, et je suis de. Je viens de Yoto. Alors, j'utilise lance-flamme. Ok, je crois que c'est les derniers deux. Ça sera fini. Je crois que je vais affronter Erika en premier et après ça découvrir la city. Bon, c'était pas la forme aujourd'hui, on se refait comment de ces jours. Allez, on se chante le numéro de Bigot. Quel Bigot? Tu veux rester sur la victoire? Bleh. Oui, c'est vraiment ça et je reste comme ça. Voilà, le Morpion, tu peux promener sur ton trou. Holy shit. Calme-toi. Montre-moi ton Alfonso. Gloopty? Petite Gloopty encore? Oh, le dernier. Pokémon après devant. Oh mais regardez, 47, holy shit. Ça quand même. Oh. Et c'est pas possible. Regardez ça. Et voilà. Et voilà, finalement. Ok, quelle attaque était ça? C'est pas possible. Non mais non. En sérieux, tu diriges Max? Oui, mais pourquoi? Ah, c'est fini ici. Ici, rien. Ok, c'est fini. Bicyclette, une descente d'enfer. D'enfer. C'est pas un d'enfer, juste. C'était un. C'est là, jeu là. La bicyclette commence ici. Sur la bicyclette, c'est une descente facile et très reposante. Certains préfèrent les gros moyens de transport comme le train magnétique ou le bateau. Mais toi, tu préfères la bicyclette, pas vrai? Oui. C'est aussi très vite que ça. Il n'y a pas des. Oui.
côté I, mais ok, je vais me soigner en premier. Oh, regardez, là, il est complètement différent, mais non, pas si différent, mais bon, ouais. Oh, la musique est incroyable, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ah. Pardon. Et qu'il est beau, ton Pokémon, c'est le modèle? Oui. Le casino a été tenu à l'origine par les Team Rocket. Une fois la Team Rocket hors d'état de nuire, il a été repris par un vieux Richard qui adorait le jeu. Et top dresseuse. Erika utilise des Pokémon de type plante. Reste sur les gardes. Des types plantes. T'as pas vu mon Typhlosion derrière moi? Oh. Je vais creuser. Quel massacre. Quel brouillard. Quelle éruption. Alors, c'est mon camp Tata. Tu crois qu'un jour il pourra devenir un grand grenouille? Quoi? Oh, peut-être, oui, c'est vrai ça. Le monde voulait. Je vais te dire un secret. Il y a des endroits dans la résidence Sildon que l'on ne peut pas. On peut entendre qu'avec l'ascenseur du premier étage. Je le sais, mais merci pour ton conseil. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Madame, que veux-tu? Je suis la concierge. Enfin, je dis ça, mais ce n'est pas un travail fatigant. C'est très calme ici. Comme je n'ai pas grand-chose à faire, je m'occupe en promenant des Pokémon. Ah, au fait, il y a deux ascenseurs dans cet immeuble. Ne te trompe pas. C'est vrai. Alors, je plante l'escalier parce que j'aime. Oh, ok, maintenant je comprends. Oui. Oui. Il y a des distributeurs pour acheter des boissons, oui. Ah non, c'était comme ça. Je me rappelle, c'était comme ça, messieurs. Je vais te raconter une histoire terrifiante. Oh là, ça n'a aucun intérêt pendant la douce journée. Reviens cette nuit. Oh, c'est pas vrai. J'enregistre. En nuit tout le temps, mais pas aujourd'hui, c'est pas vrai. Oh. C'est pas vrai! Ok. Pas pour l'instant, l'autre. Ça sert, alors ça va. Je jette de noix plus tard. Ok. Ça, c'est pour le plus tard, c'est tout ce qu'il faut au centre commercial de la Célopole. Alors, madame. Aucun magasin n'a plus de produits que le centre commercial de Célabre. Ils ont tout ce que je veux. Je sens une publicitaire, non? Un petit vaste à conseil. Oh. J'aime beaucoup. Toi, tu as l'air comme Erika. J'aime les endroits où il y a des grands immeubles. On m'a dit qu'il y en avait aussi à Doublonville, à Johto, oui. Ah, j'aimerais bien aller à Johto un jour. Mais c'est pas si vite, c'est pas si loin, holy shit. Tu as besoin juste d'une bicyclette. Il y a une invasion de Tatmorph, se tombe ici. Il y en a juste dans les tongs devant la même zone. D'où vient-il? Quelle nuit? C'est tout? Bon, c'est vraiment tout. Ok, peut-être j'affronte maintenant Erika, mais attendez. Ah, tu m'as vu? Tu m'as vu sortir du casino, hein? Tu m'as vu sortir de là, rayonnant d'une joie mauvaise, croulante, sous les jetons, presque honteuse d'avoir fait sauter la banque. Tu m'as vu? De quoi tu parles? Ok, le casino. Et là-bas, le restaurant, oui. C'était comme ça. Un concours de gloutonnerie dans le. What? Le restaurant, cette année, il y a un concurrent de Sino. Sino? Particulièrement redoutable de Sino 4ème génération, ok. Il est où? Wow! Ah, c'est toi? Non, oui. Mais il y a des concours de gloutonnerie et je ne savais pas qu'une chose aussi formidable existait. Je suis un régime particulier pour mon entraînement, alors j'ai là. Je peux avaler autant qu'il veut. Enfin, non seulement c'est délicieux, mais en plus, si je gagne, c'est gratuit, c'est le paradis ici. C'était toi, oui. Je crois que le 6ème batch ou 5ème, non, je sais pas faire. Ne me parle pas maintenant, je reste tout recraché. Ok,
Je confiance de mon estomac, mais faut faire attention. Quand on mange trop vite, on risque de se mordre là. Aïe, 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 aïe. Vous voulez aussi participer. Du moins, j'aimerais bien vous dire que ça, mais on est en plein concours de gloutonnerie. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les concours manger. Ok. Pas pour moi. Hein. Pour moi. Hein? Ici, c'est la quantité avalée qu'on juge. Non. Je croyais que c'était le... à qui finirait son plat le premier. Miam, miam, miam. Je peux encore manger. J'ai fait une autre. C'est tout le mime. Plein de garçons comme ça et petite fille. Qui aussi participe. Ok, c'est 10 minutes déjà dans l'enregistrement. J'affronte Erika maintenant. Ça sera trop facile. Et... oh non, le voyeur encore. Depuis 3 ans. Cette reine est terrible, plein de super... Ok, j'ai rien. Oh, qu'est-ce que c'est ça, ce truc? Oui, shit. Salut les dresseurs. Mais salut. Alors toi, tu es la première. Je ne laisserai pas n'importe qui importuner la grande Erika. Michel, Florol, ne voyez pas à elle. Laurence Flamme. Oh. Des expériences gratuites. 1281. Un niveau pour ça, j'aime beaucoup. Efficace aussi et coup de vol et voilà. Je vais brûler ton couteau. Non, c'était quoi? C'était couteau, je sais pas. Non, c'était oh, qu'est-ce que c'est, voleur quoi? Le miel? Non, le miel c'est quelque chose d'autre, c'est honey. Voule, what? Qu'est-ce que c'est, vous, encore? Comment vais-je pouvoir me présenter à nouveau devant la grande Erika? Parce que tous les Pokémon plantes sont complètement brûlés. Merci à moi. Je sais. Mais qu'est-ce que c'est, la Pokémon? Ok, attendez. Peut-être comme ça. Pompon. Ok. Qu'est-ce que c'est la reine? Ah non, attendez. Comme ça, oui. Non? Ah oui, maintenant. On doit protéger la grande Erika. On doit protéger la grande Erika. Mais elle est... je comprends pas. Je le comprends pas. Amplifie et voilà. Pression. Attendez. Ça rentrera. Hein? Pas pour l'instant. Ça rentrera. Et voilà. C'est... comme je. Ah, ok. Ok. Lui ça, mais. Oui, okay. Et ok. Puis Florent, 961. Je vais aimer et Emma. On a perdu, on a pu pas gagner. Ok, et pas pour protéger prendre Erika. Comment tu fais pour avoir tant de force? La puissance est presque à la celle d'Erika. Peut-être. Ah bah ouais, ici... et quel labyrinthe, holy shit! Et maintenant on est ici... et... contre toi... Ça t'étonne, une arène remplie de fils? Non, parce que j'ai pas vu... J'ai pas vu...
ça, c'est la raison que monsieur doit ne dire rien maintenant. Et voilà. C'est 2226. Oh mince, j'ai perdu. Oh mince. Toi, tu veux merci. Merci de ne pas avoir retenu des coups. Non, je ne fais pas ça. Tu sais ce que je peux faire? C'est parler avec une voix grave. Oh lolo, calme-toi. Canon. C'est canon, oui. Noémie, voilà. Avec du parfum incroyable. Je peux le dire. Je veux le dire, alors, petit Paras. Regarde-lui. Voilà. Rassecte? Mais non! Regardez! Ok, à tout de suite. C'est juste lance-flamme. Ok, j'ai besoin de lance-flamme pour Eka aussi. Maintenant j'ai combien PP? Power points. Vorton, c'est toi. Quatrième génération aussi. Pokémon standard du James. Il a dit Rocket. What? La douceur de la femme et de la force de l'homme. Je rêve de devenir un dresseur Iron. C'est dur, extrême. Oh, voilà. Tu calmes. Mais je le savais. Je le savais parce que... Mais qu'est-ce que c'est cette arène? Regardez ça! What the fuck? Complètement nouveau. C'est pas comme l'arène du Koga. Restez quand même. Et ici, holy shit, regardez ça. Et... L'eau. Le lot. Erika, bien le bonjour. Le temps est admirable aujourd'hui. On a envie de fermer les yeux, de le laisser glisser. Moi, je suis Erika, champion de l'arène de Stellatopole. Oh, tu viens de Johto? Quel honneur. Enchanté. Bien sûr, tu es là pour te battre. Cela me servira d'entraînement à la fois en dressage et en arrangement floral. On garde. Oh oh. Alors, 5 gros noirs encore. Oh non, 4. Encore. Oh, 51. Mais je spammais lance-flamme. Une seule fois, et voilà. Et voilà, sac de nœuds. Sac de nœuds. Quoi? Ça, c'est aussi une. C'est aussi un Pokémon très étrange. Regardez-lui les yeux, les spaghettis bleus. Les chaussures rouges. On y voit. Évidemment. C'était Omnifor, comme toujours. Plante. Omnifor est une plante inspirée par la vraie vie. C'est une plante qui peut attraper les insectes, je crois. Très cool. Et jolie fleur. C'est une queue, de quoi encore? Ah, toi. Ne retiens pas, t'es cool. Madame. Juste crache le feu et ça va. Trop facile. Et c'est fini. Ouah. 75. Et voilà, vous avez battu. Je n'aurais pas dû de sous-estimer. Ouah, merci pour 6720. J'ai perdu, tu es incroyable. Je dois donc te donner ce patch prisme. Le patch prisme, c'est très gentil. Ah, c'était une superbe rencontre, j'en étais fort ému. Je tiens à ce que tu acceptes ceci, c'est la cité des Gigasonks. Cette capacité draine la moitié des dégâts infligés pour soigner ton Pokémon. Vraiment incroyable. C'était 19. Oh, c'est toujours un petit triste de perdre un combat, mais c'est aussi stimulant de rencontrer un adversaire vraiment puissant. Alors c'est tout? Oh, mais pourquoi pas...
Un chemin à s'enfuir. On vous dit pas bien sécurité ici. Et c'est pas possible. Possible à utiliser une course sortie peut-être. Bon, regardez ça. Bon, regardez ça, Zik. Et voilà. Ok, je vais soigner mes Pokémon. Et on arrête ici. Alors, ils sont où? Ok, je dirais que c'est fini aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Et je dirais. Une prochaine fois, peut-être.